La page 40, Alakha Aleph. Alakha Rovahat Biyadenu Shein Nashim et Amatzot Ela Bemaim Shelanu. Kilomar Shelanu Lina Kola Laila. Viesh la Tchili Shava Maim Samur Lezman Ben Ashmashot. Vemesher Kol Zman Ben Ashmashot Yainu Achke Shalosh Esre Dakot Bachetzi Achar Shkiyat Ahama. Vahak Ben Ashmashot En Ishov Yoter. Il faut bien comprendre. Un homme que lui qui ne connaît pas bien les halakhot, ne t'amuse pas à faire les matzot. Ne t'amuse pas à faire les matzot. Il faut que tu aies baki dans la halakha, même qu'avant, il y a les femmes, tu vas voir dans la halakha, c'est les femmes qui faisaient les balais matzot avant. Les grands-mères, ils faisaient les matzot. Ils étaient bikiyot dans les halakhot. Il ne faut pas s'amuser maintenant, c'est Hametz. Ça fait Hametz. Il faut savoir comment était faire les matzot, avec quels os. Alors maintenant, il faut se marat, il nous dit que la halakha, elle est qu'on ne pétrit pas la pâte des matzot avec des os du robinet normal. Et là, il faut attendre qu'ils ont dormi. Là, nous, c'est dormir. Ça veut dire quoi dormir? Quand tu as puisé l'eau, tu fermes cette eau-là, tu attends une nuit. L'anneau, c'est pas chez l'anneau des eaux de nous, comme il y en a beaucoup qui se trompent. Chez que l'anneau, c'est quoi qu'ils ont? Ils ont reposé. Ils sont reposés, ils ont dormi. Veillez la trille et il faut puiser cette eau-là. Ça mourt juste un peu avant les Ben Hashmashot. Pendant tout le moment de Ben Hashmashot. D'ailleurs, ça veut dire quoi Ben Hashmashot de chez nous pour les séfarades? La Kula, c'est 13 minutes et demie. Ok? Après la Shkia. Okay, ça veut dire commencer. Dire jusque avant que ça commence Ben Hashmashot, tu commences et ça commence Ben Hashmashot pendant 13 minutes et demie. Après, c'est fini. Ben Hashmashot, Enish Obrod. Après, Ben Hashmashot, t'as pas le son. Ça doit l'avoir, certainement. Il y a des kavanot, t'as ça. Non, les kavanot sont fous, enfin. Le son, c'est quoi? Le son, c'est peut-être qu'à cette heure-ci, il n'y a pas des basiques dans l'eau, il n'y a pas de. Yeshmira, Yeshinyan, il faut savoir que les Gdolim, ils avaient, jusqu'à maintenant, il y a cela, il y en a qui ne font pas attention à cela, c'est que Koufa. Ouais, c'est ça, c'est Koufa. Ouais. Mais il faut savoir que. On fait attention en France. En France, on fait attention. On nous dit, je ne peux pas ouvrir le robinet à telle heure, de telle heure, on nous dit, on a toujours dit. Les koufas, c'est les gardes. Les gardes qui se changent, des anges qui se changent. Les robinets d'eau, quoi. Avant, aujourd'hui, si maintenant on a dans les frigos et tout cela, il y a encore un problème. Combien c'est 4 fois par an, vous l'avez fait? Un jour casé, oui. 4 fois. 4 fois par an, qu'est-ce qu'il y a? Koufas, ça s'appelle, koufas. C'est le moment que les gardes. C'est là qu'ils gardent les eaux, ils se changent. Alors, puisqu'ils se changent, alors, il y a une shmira botozman, sur la tkoufa. Alors, il faut attention de ne pas puiser l'eau. Ok? Quand il dit l'ishov maïm, ouvrir le robinet, ça s'appelle l'ishov maïm? Oui. Oui. Il y en a qui vont, les matzot qui sont mehoudarot, ils sont dans le fleuve. Ici, il y a un fleuve, ça s'appelle Motsa. Alors, il y en a qui vont puiser à Motsa. Nous, on faisait les matzot. Les matzot, la faute, ça s'appelle, qui sont molles. On faisait et une semaine avant Pessah. Et on a un film. Comment on faisait les matzot. Ça s'appelle Matzat Chabura. Ok. Im tzichim le maïm arbe, rachaim natchil ishov, maïm ibeod ayom agadol, odad maran ashukhan aruch, virak sheinam tzichim le maïm arbe, raoui l'achmir. להתחיל לשאוב סמוך להתחילת בין השמשות, ולמחרת יקדים לקראת המים, קודם שיזרח עליהם השמש. ובדיעבד אפילו זכה עליהם השמש, אם לא נתחממו כשיעור פושרים, יכול ללוש בהם. זה לא תוסה תולה, זה איפה פק אל שוף. סילו אל שוף, זה פרמונטי, זה מחמיץ, לעיסה פלווית. תו לא עניין אלה, או למים שלנו, יפת חמץ, כל הדברים האלה. יש עוד עניינים. ידיד, תפילה כאילו בזמן בוקודו, אילפה קומונסי, הפויזה דלו, כאילו פיין פורשו.
il a besoin des litres et des litres. Alors, ça ne suffit pas 13 minutes et demie. Alors, il puise bien avant, comme Maran HaShulchan Aruch. Irak, chez Enam Sechin et Maïmar, mais seulement si maintenant tu n'as pas besoin beaucoup de l'eau, tu as besoin de quelques litres. Alors, Raoul et Ahmir, le Hatril, c'est conseillé de être Mahmir, de puiser juste avant Ben Hashmashot. Tu commences Ben Hashmashot et jusqu'à la fin de Ben Hashmashot. Ben Maharat, le lendemain, il faut commencer de prendre ses eaux. À Kavana, Kodem Shetizrach Alev Hashem, juste avant que le soleil il commence. Ça veut dire tu peux puiser. Ça veut dire Avada Filuzrach Alev, si maintenant le soleil déjà il est là, est-ce que tu peux continuer à puiser? Si tu veux, Imlonit Khamimou, Keshim ou Pochrim, si maintenant ces eaux-là, ils ne sont pas chauds, que chauds à Kavana, qu'ils sont pas, ils sont avant d'être tiède, un tout petit peu avant d'être tiède, alors il y a tu peux pétrir avec ces eaux-là. Il faut que ces eaux-là, fais pas attention, il ne faut pas les mettre dans le frigo, mais aussi, il ne faut pas les mettre aussi qu'il y a un soleil. Il faut, de toute façon, un endroit que tu fais les matzot, ok, il faut qu'il soit dans un endroit sombre. Ok. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma. Mechazek et Talich Achimutz.